Hey, salut à tous et à tous, c'est Ekar et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque un nouvel item a fait son apparition du coup sur Fortnite. Et oui, comme vous le savez, donc aujourd'hui il n'y a pas une mise à jour via du coup les vacances d'Epic Games, mais ils ont quand même pensé à nous en mettant du coup un nouvel item dans le jeu. Et oui, donc les taureaux gonflables sont enfin là. Je suis du coup avec Furonix qui a une chaîne YouTube également, je vous la mets dans la description et du coup n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube parce qu'elle va nous aider à éventuellement trouver ces items là pour vous en exclusivité pour pouvoir vous montrer du coup à quoi ça sert et comment les activer. Alors du coup les potos, avant toute chose n'hésitez pas à liker la petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le code créateur Bokuni dans la boutique. Voilà, donc le code créateur c'est B-O-K-U-N-I. Merci à tous ceux qui le mettront. N'oubliez pas aussi qu'un skin LeBron James va bientôt être à gagner sur Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre aussi Discord dans la description, tout ça, bref. Je vais pas vous embêter plus longtemps, let's go pour trouver du coup les nouveaux items. Attends, je vais essayer de fouiller le coffre là et on va voir si j'ai une meme. Attention, 3, 2, 1, meme. Mais j'en ai vraiment une. Oui. Et voilà les gars, ça y est, j'ai enfin trouvé du coup le petit taureau gonflable. Alors, il faut savoir que c'est localisable uniquement dans les bases IO, ok? Donc les bases IO, c'est tout ce qu'il y a ici, donc par exemple les antennes radar. Et on a également du coup la base de Sloan qui se situe à Corny Complex, ok? Donc en fait, vous allez pouvoir trouver à toutes les bases IO, donc ces petits coffres-là. D'accord, donc les coffres de l'IO, je crois qu'il y en a un juste à côté qui est encore intact. Non, pas du tout, c'est un coffre normal. Bref, bon, du coup, on a ces coffres là qui sont du coup localisables dans les bases IO uniquement. Et c'est dans ces coffres là, seuls et seulement eux. Oui, parce que j'ai ouvert au moins une quarantaine de coffres épiques avant et au moins une soixantaine de coffres normaux pour être sûr et certain que vraiment il n'y avait pas une mini petite chance d'en avoir dans des coffres normaux. Ce n'est pas du tout le cas, c'est uniquement du coup dans des coffres IO que vous allez pouvoir avoir ce taureau. Donc il va se présenter sous cette forme là, du coup taureau gonflable, vous pouvez voir. Donc je vais essayer de viser un petit peu pour que vous puissiez voir, ok. Donc en fait ça va être comme un espèce de jetpack qui va se situer dans votre dos quand vous l'équipez. Donc là par exemple j'ai un petit peu tout, mais là c'est considéré comme un jetpack. Alors, je vais faire la découverte avec vous, je ne sais absolument pas du coup ni comment l'activer, ni comment ça se fait, ni comment ça joue, que dalle. J'ai juste vu du coup ma copine arriver en meumeu et c'était très bizarre, vous avez dû voir ma réaction juste avant, ça a dû être un petit peu chelou. Alors, du coup, on va essayer, déjà je vais faire double espace, ok, ça, ok. Donc, juste en sautant deux fois, vous allez pouvoir devenir une meumeu. Donc, attendez, donc là... Espace maintenir pour lester. Alors j'imagine que quand vous êtes en espace, ça va du coup dégonfler le ballon. Ah non, même pas. Ça va faire rebondir. Je vois ma copine à côté rebondir en même, je suis mort de rire. Donc maintenir pour lester. Plus vous allez du coup faire ça, plus regardez, le ballon va prendre énormément de poids en fait. Plus vous allez maintenir, donc là je suis encore maintenu hein. Là je suis collé au sol, mais dès que je relâche, normalement ça va me faire rebondir. Ok, voilà, c'était obligé. Donc en fait, voilà, regardez. Là, je maintiens pour lester. Donc là, je redeviens directement au sol. Et là, je lâche pour du coup faire jeter le lest, ok. Donc vous allez pouvoir faire ça pour faire sauter. Alors, la ferme, du coup, avec clic droit. On va essayer de voir un petit peu comment que ça se fait. Ok. C'est juste un dépassement. J'attendais tellement mieux. Et c'est juste un putain d'effet sonore qui fait meuh. Bon d'accord. Du coup, bon, c'est juste un ballon qui vous permet de sauter comme ça. Actuellement, je vois pas à quoi ça sert énormément. Je ne sais pas du tout comment on peut enlever. Ah, si, ok, si on peut quitter, on peut quitter du coup la forme meuh, mais j'imagine que ça va juste être utilisé pour rush. Il y a une recharge de 3 secondes. Et du coup, vous allez pouvoir faire ça comme vous voulez. Hop là. Donc j'imagine que là, si je me mets en lest et que je saute, je peux sauter la barrière aise. Voilà, comme ça. Ok.
Et là, je peux quitter du coup en l'air, et voilà. Alors attention, du coup, moi je vais en labo de combat, il n'y a pas de dégâts de chute. Mais attention à vous, si du coup vous quittez la forme en l'air, il y a des dégâts de chute, ok? Donc par exemple, imaginons je suis tout en haut du fort la crêpe hein, et que je fais du coup un saut avec la meumeu. Bah tout simplement, si je me lâche et que je redeviens en forme humaine pendant le saut, et bah tout simplement, je vais subir les dégâts. Donc attention à vous, ne faites pas les cons et usez du coup le taureau en lave avec bon escient, ok? Je vais vous faire du coup un test pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire. Mais tout simplement, regardez, hop là, on fait ça. Et là, on va lester. Imaginons, je veux sauter. Et là, je me remets normal. Et là, bah, normalement, en temps normal, je meurs de dégâts de chute. Ok? Donc, vraiment, faites attention à ça. Allez, sur ce, en tout cas, les potes, c'était Icar. J'étais, du coup, avec Furonix, ma copine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. C'est grâce à elle hein, qu'on a pu avoir, du coup, aussi la petite meuf. Parce que c'est elle qui l'a trouvée en premier. Donc, voilà, GG à elle. Et n'hésitez pas, du coup, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et est-ce que vous allez vraiment y jouer ou pas. Moi, honnêtement, je trouve ça que c'est un petit peu complètement nul. Mais après, est-ce que. On peut faire des choses marrantes avec ça en termes de vidéo, etc. Ça peut être vachement marrant, mais en termes utilité jeu, je pense pas qu'il y ait un énorme bénéfice à l'avoir, ou alors c'est que je le vois pas tout de suite. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre le code créateur Bukuni. Et sur ce, moi je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien, et puis c'est tout. C'était Ika. Ouvre-moi un peu la porte. Attends, ouais, je t'ai ouvert une grande porte là. Non, mais wesh. Non mais... C'est une meuf qui fait du wank dance. Ma meuf est une grosse vache. Je rigole. Je rigole. Je rigole. Je suis mort. Bah du coup tu sors pas t'attendre. Ça je vais laisser dans le montage aussi. Tiens, tu veux une lanette pour faire professionnel? Allez. Eh Furo, un mot pour dire aux gens de s'abonner à ta chaîne. Patate. D'accord, c'était très important. T'as dit un mot. Oui, j'ai dit un mot. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah écoutez les gens, si patate vous convient, abonnez-vous. Voilà. Patate. Patate. Bon allez. Fatigue. Ouais, je sais.